Salut tout le monde, aujourd'hui on est reparti sur le let's play de Turmoil en mode expert. Donc on va continuer à ce rythme là d'un épisode par jour et peut-être si je peux je vous ferai un deuxième épisode les week-ends, je vous demanderai toujours le jour d'avant ce que vous en pensez au cas où. Alors, donc là on est à 31 662 $. On vient de débloquer l'écurie où on va pouvoir, où on avait acheté d'ailleurs à la fin de l'épisode d'avant, mais j'ai pas pu, je dois le refaire hein, vu que j'ai relancé le jeu. On avait acheté donc l'amélioration de taille pour les chariots, ce qui est vraiment indispensable. Ça change vraiment tout et là je suis à 16 000, regardons un petit peu. On est bon, j'aimerais, je pourrais peut-être prendre la vitesse ouais, de prospection, ça serait pas mal. Ok, comme ça on va gagner un petit peu de temps, quelques jours en début de partie pour pouvoir pomper un peu plus longtemps le pétrole. Ok, alors maintenant on va à la mairie, je suis à 9 000. On va à la vente des terrains et on va... Alors c'est pas vraiment de la vente vu qu'on a un bail et qu'on reste qu'une certaine période de temps, hein, donc 6 mois, 1 an en fonction de la map. Alors, ok. Donc vous voyez, j'avais 37, 32, j'avais pris où? J'avais pris là, moi. Apparemment, il y a beaucoup de pétrole. Bon, on va aller tout en haut à droite, regardez. Ça a l'air d'être un très bon endroit, on va se battre pour lui. Apparemment, c'est là qu'il y a le gros. Ok, donc on a payé 3 000. Bon, bah voilà. Et on va devoir payer 2 000. Donc alors, pour avoir un bénéfice sur la map là, il faut que je reparte avec 5 000 de pétrole au minimum. Ok, on est reparti. Alors, trouvez-moi quelque chose, les gars. On va pouvoir vendre du côté droit, ce qui m'embête, vous voyez, c'est que ça commence déjà à baisser si ça continue à monter. J'aurais préféré commencer à 1 $ et que ça remonte, parce que là, le temps que j'ai que mes gars trouvent du pétrole et que je le pompe, ça va être vraiment bas. Ok, bah toi, t'es plus proche. Ok. Et on va vendre du côté là, du côté gauche, ça devrait pas retarder à remonter. Je vends quelques gouttes au prix, mais bon, au prix, est-ce que je peux... Non, j'ai pas encore acheté, ouais, j'ai pas encore acheté autre, ok. Alors, on va leur donner un petit coup de main. Ouais, on va quand même le vendre. Et là, on a encore du pétrole à trouver. Oula, là, elle est vraiment pas... Elle est vraiment pas grosse la poche là. Ouais, vous avez vu, elle est déjà en train de se vider. Alors, hop, je vais un peu plus profond. La raison, c'est que je vais voir la taille. Ouais, il y a mieux. Alors, par contre, là, il va falloir rajouter un peu plus de chariots. On va le vendre à 0,75. Dès que je vais arriver à 750, ouais, je vais améliorer la taille des chariots, comme ça j'aurai pas à en racheter de nouveau. Et alors j'ai un gars qui cherche 0,85. On va arriver à 750. Ah, on a trouvé du pétrole. Alors vas-y. Hop, boum. Ok, vous voyez, donc là on a des chariots plus gros qui vont pouvoir... Vous voyez comment ça baisse. Génial. Là on a du pétrole, ben ça tombe bien. On a jusqu'à quand? On a jusqu'au 30 juin, ouais, donc faut pas trop de dépenses. Une fois que là, ça va être vide, bah, je vais le chercher tout de suite. Ouais, là, ça va pas tarder à se vider. Ah, c'est bon. On va quand même tirer un peu plus. Je veux pas que ça se fusionne, parce que sinon après je peux pas tirer à un autre endroit. Donc on va le mettre là-bas. On continue à vendre. Ah bah là c'est déjà vide. Bon, génial. Ouais, alors comment je vais m'y prendre? Il y a quelque chose d'autre par là. Est-ce que ça pompe? Ouais, ça pompe, donc on est reparti. Là ça a l'air d'être quelque chose d'une bonne taille. Alors comment je vais m'y prendre? Est-ce que je tire? Donc je vais peut-être pas tirer de là. Ça me coûterait combien? Ouais, 400. Alors non, ça vaut pas le coup. J'espère qu'il va trouver du pétrole vers là. On est en mars. Voilà, génial. Et la poche est de bonne taille. Et là, il a trouvé... Ah, c'est encore trop loin. Sérieux. 1,17. Ok, on va revendre du côté là maintenant. Il va falloir rajouter des chariots, je pense. Et on est en mars, il nous reste 2 mois des poussières, mai, juin, ouais. Si
je le mets là. Voilà, j'ai déjà un petit peu de mal avec ce que j'ai actuellement. Voilà. On va vendre du côté là-bas. Et toi, tu dois aller ici. Quelle est la taille? Ouais, on va quand même le faire. Ah, il y a peut-être quelque chose là. Ah non, toi, tu, ça va trop faire, ça va se viser trop rapidement. Ok. Ah. Une fois que ça va être vide, il me faut encore un autre endroit avec du pétrole. Faudra tirer là. Finalement, ça sert pas trop. Il n'y avait pas trop d'intérêt à venir jusque-là. Je suis à 8700. Ouais, là, ça va déjà être vidé. Essaie de me trouver du pétrole là, toi. Ok, il y a encore du pétrole pas loin. Ici, ok. Et là, on a quelque chose de bonne taille. Donc, on va augmenter là. Ça, et lui, j'aurais bien aimé le glisser, mais je peux pas. Du coup, j'ai mal placé. Donc, je suis un petit peu gêné. Donc, toi, trouve-nous du pétrole par là. Toi, fini. On est à 0,75. Ah, ici, génial. Il nous reste un mois et demi. C'est peut-être là-haut, il faudra vraiment que j'achète. Ah, oula, il faut que ça me dise de l'autre côté. Il faut vraiment que j'achète quelque chose. Par exemple, des taupes ou quelque chose du genre. Ok, là ça va être fini, je vais pouvoir aller le vendre là. Aller chercher, faire chercher là-bas. Oula. C'est pas bon signe là. Bon, on va aller jusqu'en haut. Et tant pis hein, pour la poche ici. Alors toi. Ouais, donc y a, elle est dans le coin, mais je peux pas la voir. Et le problème, c'est que je peux pas faire de croisement. Donc, faudrait que je refasse descendre. Vous voyez, je peux pas tirer de là pour le moment. Donc, je peux pas faire ça. Bah, c'est pas grave. La poche là, bon, bah, elle est gâchée. Il nous reste un mois. Il ne reste plus que la poche ici. Je pense que, ouais, on va s'arrêter à ça. On a quand même 13 000. Donc, ça nous fait 8 000 de bénéf. Avec le pétrole qui reste ici, on va peut-être atteindre 14 000, 15 000. Donc, ça me fera pas mal. 10 000 au total. Ok, plus de pétrole. Plus de pétrole. Allez, vas-y, vends-moi tout ça. Ok, c'est bon, on est à 15 000 tourons, je vous avais dit 15 000. Ah bah je peux pas partir, ok, donc on va accélérer. Il reste quelques jours. Oh, il manquait tout ça? Sérieux? Alors, c'était vraiment bas, hein, mais vous voyez, sans les taupes, sans d'autres choses, c'est pas facile de voir. Alors, le prix était un peu plus haut du côté droit, et 4000, bah oui, hein, j'ai tiré des tuyaux dans tous les sens. Regardons. Ouh, la concurrence m'a... Ouais, là, ils étaient vraiment aussi bons que moi. Alors, ok, donc là, le saloon est prêt, je suis à 19 000. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? La taille du stockage, non. J'aurais bien aimé la largeur, améliorer la largeur, mais on va faire 100. La vitesse des gars, le compteur, ça ne me sert à rien. On peut débloquer les taupes. Bah, les taupes, ça va être utile. On les avait vues dans le let's play, dans le live, pardon. Donc, on va prendre les taupes et on va un petit peu bah, devoir les spammer au bout d'un moment. Alors, on va au saloon, regardons un petit peu. Pour 6800, le prix descend jamais sous 0,93. Mais pour le moment, ça ne me sert pas. Quand je vais pouvoir vraiment pomper un max de pétrole, je pourrais m'en servir, mais là, je n'ai pas encore les outils pour compenser le prix de 6800, donc on va pas faire avec. Et là, on va chercher un nouveau terrain. Je me rappelle plus, j'étais là-haut, 52, ouais, c'était la meilleure map du coin. Bon, on va se poser peut-être là. Est-ce qu'on va se battre avec moi? Ouais. 47... Ouais. On va peut-être
je vais venir là. On va voir, je prends un risque, vous voyez. Là, il y a du 48. J'essaye de le pari comme quoi, autour, il y a au moins du 40. Bon, on est parti. Et eux, ils ont perdu plein d'argent à devoir payer le loyer. Alors, trouvez-moi. Un petit peu d'avance rapide. Et là, je me prépare. Allez, j'espère qu'ils vont en trouver là, ça serait cool, juste à côté pour le vendre. Ouh, il y a du bon prix là-bas. Ok. Finalement, c'est plus intéressant du côté gauche. Ok, bah là, je vais pas... Ok, tu vas vendre là-bas, mais là, je vais pas m'arrêter à ça, parce que là, c'est un petit peu ridicule. Regardez la taille. Ok, là, celui-là a l'air d'être plus correct, quand même. Donc, on va augmenter la taille du tuyau. On va vendre là-bas. Ok, il va falloir un petit peu de renfort. Tu vends du côté gauche, on est à 0,73. Ah, mais j'ai pas trop le choix, de toute façon. Ok, alors, hop, on remet un autre puiseur. Ça descend quand même. Donc là, l'endroit n'est pas gigantesque. Hein. Le stockage n'est pas gigantesque. Donc on va t'augmenter du coup et après on va tirer vers là-bas. On va commencer tout de suite même. Le prix est naze. Ok, donc là, moitié. je dois continuer à vendre, j'ai pas le choix. Du coup là il y a du pétrole. On va mettre ça et je vais devoir maintenant augmenter la taille. La taille des chariots. Et s'il vous plaît montez en prix plus rapidement là le prix du pétrole. Parce que là je suis en train de faire... J'ai pas des pertes mais j'ai vraiment du manque à gagner. Assez conséquent. Ok, voilà. Regardez là les chariots sont vraiment plus grands. 0,59. Et là, ça continue à pomper. Oups, non. Je veux toi. 0,62. Bah là, on va faire du stockage. Arrêtez de vendre à ce prix-là, parce que c'est pas possible. J'ai un petit peu d'argent. Ok. On peut aller là. Bon, on va se mettre là. On va tirer. Alors j'évite le stockage tant que possible, parce que bah, une des raisons est que ça coûte de l'argent de construire un stockage. Et là j'ai pas assez de capacité de pompage pour pouvoir vendre tout ce que je ramasse. Donc voilà. Alors ok. J'ai pas assez de capacité de pompage pour tout vendre tout le pétrole qu'il y a encore. Ok. Là je vais l'améliorer, ça a l'air d'être un bel endroit. Ici, il y a du pétrole également. On va le chercher. Et en même temps, on va découvrir quelle est la taille. Waouh, ok. Ça, c'est une belle zone. C'est une très belle zone. Je me demande quelle est la taille ici. Et maintenant, on va sortir un petit peu les taupes. Alors, non, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on envoie quelques taupes. Oula, le prix du côté gauche, j'étais tellement préoccupé, j'avais pas vu le prix. Ok, alors on va vendre du côté gauche. Ici, c'est un très bel endroit également, donc éventuellement, on va devoir tirer. Alors, on a jusque quand? On a jusqu'au 31 décembre, donc là, on a une année complète, donc je peux me permettre... donc je peux me permettre effectivement de prendre un peu plus de temps. Et vous voyez, les taupes sont en train de nous découvrir les différents endroits, les endroits où il y a du stockage. Ben tiens, et en même temps, je vais quand même en mettre un. Ici. L'endroit est quand même assez grand. Hein. Sortir une autre taupe là-haut. Une là-haut et une là. Trois taupes. Ça pompe, parfait. Et donc ça fait des petites rouilles, ça nous donne une idée de ce qu'il y a derrière. Et où il y a encore quelque chose en dessous. Alors regardez, bah tiens, elle va peut-être nous le trouver. Non, donc il est probablement ici ou alors il est là.
Ou alors il est tellement bas que je peux pas le voir. Allez, vas-y, vas-y, creuse là. Voilà, ok, là on le voit, vous voyez, il y a du pétrole ici. Je vais pas tirer. Ah, regardez. Là, il y en a un autre. Donc tu vas y aller. Il y en a un là et un là. Éventuellement, on va avoir une nouvelle ressource dans le jeu. Ça va pas être du pétrole. Ça va être dans la deuxième moitié du jeu. On va avoir du gaz. Et alors, à partir du moment où on va avoir le gaz, les choses vont vraiment se compliquer. Vous allez voir. Alors là, ça a l'air d'être une belle couche. Donc on va améliorer encore. Et après, on va tirer là. Ok, là, c'est fini. Donc toi, tu viens là. Et je vais voir quelle est la taille de ça pour décider si je vais aider ici ou là. Je pense que là, c'est plutôt petit. Donc je vais plutôt l'envoyer là. Bon, ok, on va faire là et puis après on va aider là-bas. C'est parti. Il nous reste où là, une résistance? Je vais quand même sortir un gars. Je vais essayer de voir si on trouve pas autre chose. Donc on est à 0,90, le prix est en train de tomber. J'ai pas encore l'amélioration pour augmenter la taille des, du stockage. Hop. Faut que je fasse plus gaffe au prix parce que parfois je me concentre surtout, vous voyez, sur la partie où on peut creuser. Et donc parfois j'ai un petit peu de tendance à oublier de regarder les prix. Donc là, on va être à 19 000, donc j'ai une bonne zone, en fait. Hein. 19 000, j'ai payé quoi? 1000 pour réserver la zone, 2000 pour venir, donc j'ai payé 3 000. Donc là, j'ai 17 000 de gains, déjà. Ça va être un petit peu dur, je pense, pour la concurrence de me rattraper. Surtout que là, on continue à monter en gains. Toi. Bah, je vais laisser comme ça. Vous voyez, finalement, je vais pas dépenser plus pour tirer le câble là. La raison est que j'ai encore 6 mois, donc autant pas faire des dépenses pour rien. Je vais laisser... lui finir, ou bien je vais à la rigueur l'aider un petit peu, vous voyez, là c'est pas cher. Par contre, je vais quand même envoyer une taupe là, et une taupe ici. Donc on va avoir 3 taupes, j'accélère un peu. Oula, alors là, par contre, on arrête de vendre, on va pas vendre à ce prix là, on a du temps. On va attendre que le prix redevienne intéressant. Ah, ici, il a trouvé quelque chose. Ok. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Par là, je suppose. Ok. Si c'est pas là, il est où? Vers le haut? Avec celle-là. Est très bon là-haut, donc c'est pas ici. Il est où le pétrole là? Il est plus bas. Il faut attendre que ça remonte. Alors je sais pas si vous avez vu, mais petit à petit ça remonte hein, le niveau, parce qu'en fait on peut creuser un peu plus profond, mais là je vois pas où il peut être. Il est pas là en tout cas, et là c'est vide. Ah la misère, où est-ce que tu es? On va devoir faire passer le temps. Vous voyez, regardez, là, ça remonte, ça remonte. Et plus je fais passer le temps, moins je vais avoir de temps pour extraire le pétrole. Qui est dans un endroit genre là ou là. On accélère.
Bon, pas grave. On va partir maintenant. Ça va nous redonner un petit peu d'argent. Et on va voir. C'est quoi cette histoire? Bah, il est où? Donc, il était... Je vois cette capture d'écran. Ah oui. Ok, on voit pas tout. donc, il était encore plus bas. Ouais. Bah, c'est comme ça. Bonus pour tout le pétrole épuisé. Alors, pourquoi le gars, il me signalait qu'il y avait du pétrole si tout le pétrole est épuisé? Alors, à mon avis, là, il y avait un petit bug. Vous voyez, le gars, il me signalait à l'endroit où il n'y avait rien. Bon, bah, d'accord. Du coup, j'ai perdu un petit peu d'argent à tirer les tuyaux. Mais bon, bah, j'ai gagné un complément. Hein, donc, c'est cool. J'ai rattrapé un petit peu les pertes. Et je pars avec 31 000. Alors, regardons. Waouh, ils se défendent, les gars. Si jamais on n'est pas vraiment performant, on va se faire dépasser. Donc, là, on a 26 000. Pensez-vous que votre exploitation minière de pétrole peut s'améliorer? Ah oui, les conseils du maire. Donc dans les conseils du maire, il y a des choses intéressantes. J'ai déjà lu les conseils du maire, donc je vais pas les acheter maintenant. Vous en avez 5 par continent ou par... Non, par saison débloquée plutôt. Alors je sais pas si c'était continent ou des saisons leur histoire de map, mais voilà. Hein. Du coup, alors, qu'est-ce que je peux faire? La vitesse, je peux la débloquer, la vitesse des chariots, je peux la débloquer pour 25 000, ça peut être pas mal. À la vitesse du puiseur, je peux débloquer le scanner, mais il coûte un petit peu cher. Lui, il nous propose de diminuer les taux d'intérêt. Non. Alors, l'usine. La branche, ça m'arrange. J'aurais effectivement besoin de branches. Donc ça, on va la prendre. Ok, on garde un peu d'argent. Et on est parti sur la map suivante. Alors, regardons combien on avait. On avait 35. Alors ouais, j'aurais 42. Si je prends là, j'aurais pas trop de risques. Il y a de la baston pour là. Ah ouais, je vais quand même... Allez, on va voir s'ils vont, ils vont tenter. Ouais, 5000. 5000, ça devient un petit peu cher pour la zone quand même. On va venir là. Si j'ai 35, ça me va. On avait 35 là. On est reparti. Alors, hop. Et si je leur fais perdre de l'argent à vouloir payer plus que moi pour le bail, il n'y a pas de problème. Alors. Donc il y a également un nouvel objectif qui est rajouté dans la deuxième partie du jeu. Là, je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais il faut plein d'argent pour ça. Et là, je vais devoir me battre avec eux. Je le sens que ça va être vraiment plus dur. Ok, donc là, hop. Ok, là on a quoi? Ouh, ça a l'air d'être d'un bon niveau. 0,73, 0,61 et le prix augmente du côté gauche. Bah on est parti. Alors non, allez, je vais annuler. Comme ça tu vas remplir. Voilà. Et on vient là, on va continuer. Alors, je vais augmenter. Voilà. Ah, ok, on l'atteint. On va vendre du côté gauche, 0,93, 0,94. Hop, c'est parti. Et par contre, il faut du cheval, enfin du chariot. Voilà, et à partir de maintenant, je vais augmenter la taille dès que je peux. Les deux ont l'air d'être pas mal. On va quand même fouiller un petit peu au cas où. Toujours avoir une mesure de sécurité, là où on a une poche de pétrole qui est découverte. On va aller de l'autre côté plutôt. Là, ça va être vide bientôt. Voilà. Donc là, je vais augmenter la taille des chariots. Vas-y, vite. Alors, de toute façon, j'ai pas de... Ouh, là, ça a l'air d'être vraiment un endroit qui a beaucoup de pétrole. Donc, alors, hop. On va vendre là-bas. 1,23. C'est le moment... Et donc on va pas mettre de nouvelles pompes si on peut l'éviter. Regardez-moi ça, deux pompes dans le même endroit. Il y a quelque chose d'autre là-bas. Alors après il faudra tirer ou alors mettre une nouvelle pompe. Je pense que tirer va être un peu cher. Alors avant...
On va devoir augmenter, ouais. Là, vous voyez, je suis obligé d'augmenter, parce que malgré le fait que j'ai des gros chariots... Ok, là-bas, c'est une belle zone également, donc on va pomper plus vite. Il y a quelque chose d'autre ici. Vas-y, on va le faire dériver. On a 0,94. Bon, on a du temps. On a du temps. Donc là, on est bon. On est bon. Je vais remettre un autre gars. Vérifie, trouve-moi du pétrole là-bas. Allez, soyons fous. Ok, on va arrêter de vendre. Et là, il y a du pétrole, génial. Ouh, ça a l'air d'être une belle zone également ici. Ça va bien rapporter. Voilà. 0,64. J'attends que ça soit plus intéressant. Alors c'est un petit peu embêtant, on va y devoir payer pour le stockage, mais bon. 0,69. Faut vraiment qu'il se dépêche là, parce que... Ok, le prix remonte. On va vendre. On est parti. Si je fais pas ça, je vais le regretter. On va remettre un gars. On est à 0,86. Et là, il n'y a toujours rien. Alors, ne me dites pas qu'il est plus haut, qu'il est vers là. Ah non, il est là. Il est là. Ok. Allez, c'était pas exactement. Hein. Donc là, c'est bon. On y va. On est bon. Ici, c'est vraiment une grosse zone. Ah, on a terminé là. Zut, il n'y a plus rien ici. Ouais, bah, j'espère qu'il va me trouver du pétrole dans le coin, parce que j'aimerais éviter de le tirer jusque là-bas. Et là, on a du pétrole, là. Il va falloir tirer. Ouais, je vais être obligé de tirer celui-là. Là-bas, une fois que lui est vide. Donc, on est en mai. On le vend à 1,10, on est déjà à 13 000 avec tout le stock qu'on a. C'est génial. 1,09. Je peux pas stocker plus que ce que j'ai hein, là, donc vu que j'ai pas posé vraiment bien toutes ces choses. Et je peux pas remettre une autre pompe. Dommage que je puisse pas détruire, voyez, un stockage une fois qu'il a fait son boulot. Ah, là on a fini. Ok, alors maintenant tu vas chercher ici. Alors je vais balancer des taupes. Hop, on les balance quand même. Ici, on sait jamais, il y a peut-être un diamant, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et peut-être qu'ils vont nous trouver là où il y a le pétrole, sans que j'aie à trop creuser. Ouais, oui, c'est pas là. Donc, il va creuser, elle va creuser là. 0,97, on va aller de l'autre côté. Il n'est pas forcément exact, hein, le sourcier. C'est pour ça que je vais un peu en zigzag. Là, je peux pas. Donc, il est peut-être plus profond. Ah bah purée, il est là-bas, ok. Et il y a quelque chose d'autre vers là. Ouais. Alors, est-ce que ce serait pas là? On va mettre ici et ici, deux taupes. C'est parti les filles. Là, il y a encore du pétrole qui se fait pomper. J'imagine même pas la taille du filon. On est à 26 000. 27. Hmm.
être délicat de trouver celui-là, là, qui est tout en bas. On fait passer un peu le temps rapidement. Oula, attention les prix. Il faut que je fasse plus attention aux prix. Je suis sûr qu'il y en a deux qui doivent s'arracher les cheveux. c'est juste que quand on est dans l'action, on voit moins de choses. Ok, donc là, on a vraiment tout vidé. Donc on continue, on va chercher cette dernière poche de pétrole. Vous voyez, je fais ma part hein, pour qu'on batte la... le manque de pétrole, la crise de pétrole. Ok, donc c'est pas là. Est-ce qu'il est plus haut? Il faut vraiment le scanner. Mais le scanner coûte cher. Donc il est pas là. Ouais, il doit être plus bas. Ok, donc on va faire... Alors, à moins que ça soit encore le même bug que j'ai eu la dernière fois, là, je serais pas content. Donc, je fais passer le temps. Oui, à ce point-là, je crois qu'il y en a pas. Alors, on va rendre le bail. Ouais, bah, il y en a pas, hein. C'est bien ce que je me disais. C'est encore un bug, regardez. Bonus, tout le pétrole est épuisé. C'est quoi, cette histoire? Alors, regardons. Ah bah tiens, là j'ai explosé la concurrence, 33 519, ce qui est génial, donc plus les 3000 de bonus à la fin, moins ce que j'ai dépensé pour creuser et chercher les endroits. Alors en tout cas, on a bien avancé, on va pouvoir acheter des améliorations, peut-être la vitesse des chevaux, ça peut être pas mal, la largeur pour pomper, quoique, pas forcément, peut-être le scanner, on va voir tout ça. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Bah tiens, je vais vous faire voter en haut à droite la première amélioration que l'on va prendre, la vitesse pour pouvoir transporter le pétrole avec les chevaux plus rapidement, ou alors le scanner, donc pour pouvoir scanner l'endroit, ou alors l'augmentation de la largeur des tuyaux, level 3. Voilà, donc merci à vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.